Pour moi, le sacrement de l'onction des malades, c'est le sacrement de l'espérance, c'est le sacrement de la tendresse de Dieu. Bonjour, je m'appelle Gérald Carrel, je suis prêtre depuis près de 40 ans, actuellement aumônier dans les hôpitaux à l'hôpital Rivière-à-Chablais, et je vais vous parler de l'onction des malades que je vis dans le cadre de mon ministère. Alors, l'onction des malades, c'est un des sacrements de l'Église catholique, que l'Église catholique offre à ses fidèles. Mais c'est un sacrement, un signe qui a beaucoup évolué dans l'histoire parce que, au fond, au départ, c'était, et c'est redevenu d'ailleurs, l'onction des malades, où il n'y a pas du tout d'idée de fin de vie, de mourant, d'agonie, qu'on vit beaucoup moins maintenant, parce que ce côté, justement, fin de vie, il faut être en ordre, donc il faut recevoir les derniers sacrements, avant de passer de l'autre côté, si j'ose dire, ça a beaucoup baissé maintenant, y compris dans nos milieux catholiques plus traditionnels. Mais pour moi, je l'inscris, l'onction des malades, dans tout ce qui est mon ministère, c'est-à-dire la visite des malades, des patients à l'hôpital, et puis tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement, de l'écoute, du soutien des personnes qui vivent un moment particulier de leur vie à l'hôpital. Dès le moment où j'ai voulu me former à l'accompagnement et au métier d'aumônier en hôpital, en milieu hospitalier, ça a été une des lignes de fond, ou des lignes directrices plutôt, de ma formation, c'est: vous êtes là pour écouter une personne d'abord et non pas une étiquette. Donc, c'est la personne qui compte. Et cette personne, elle peut avoir des questionnements humains basiques, évidemment, par rapport à sa santé et à son devenir. Elle peut avoir des questions existentielles, philosophiques, elle peut avoir des questions religieuses, elle peut avoir des questions confessionnelles. Alors là, on va arriver, par exemple, sur la demande sacramentelle: je veux me confesser, j'aimerais recevoir la communion, ou j'aimerais recevoir l'onction des malades. Mais vraiment, quand on va visiter les personnes, on va visiter des personnes, on dépasse tout à fait les clichés et les appartenances confessionnelles strictes. Et puis, dans le cours de la conversation, de l'échange, alors peut-être certains aspects vont se développer et pas d'autres. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'autre, de ce qu'il a envie de me confier, comme il a envie de le faire. Si je rencontre quelqu'un d'une autre religion ou d'une autre philosophie, bien voilà, j'écoute et j'essaye de découvrir avec lui quelles sont ses ressources, quelles valeurs l'habitent, le font vivre, l'aident à vivre et peut-être aussi et surtout à traverser et à vivre l'épreuve qu'il est en train de connaître à l'hôpital. Et c'est ça qui compte. Alors après, ça peut être quelque chose de très religieux, comme ça peut être quelque chose de très philosophique, par exemple, ou simplement des valeurs comme la famille, la nature, le sport, toutes sortes de choses. C'est ça qui compte, c'est qu'est-ce qui fait vivre l'autre, qu'est-ce qui l'anime, c'est le mot qui a donné âme. Quel est son souffle, la spiritualité, le spire, c'est le souffle, quelle est sa spiritualité, qu'est-ce qui le fait respirer, qu'est-ce qui l'anime. C'est ça qui est intéressant. Et donc, qu'il soit d'une religion X, Y, qu'il ait été d'une religion et qu'il a tourné la page, ça n'est pas d'abord important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui l'anime.